salut à tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver encore. Balandi Oyo Bo Yi Ebele Pona Rolanda Sangue Mboka Nabiso. Mboka Nabiso Ezalina, trois citations très graves pour le moment. Narolo Belango Lelo. Makambo Misato Ezalini, nous avons le problème de l'insécurité na Tanganyika. Nous avons le problème de ce gouvernement qui va tomber d'ici là. Et nous avons le problème Obinotu Boyebi. Il y a une arrestation au Ezali, la minute au niveau de la justice. Parmi Makamamine et Ezalamboka, il faut Nameka Koyebi Sabino comment ça se passe. Origine, il y a guerre au Ezali au niveau de Tanganyika. Zambie, c'est un petit pays qui ne peut rien faire devant la RDC. Bolandanga Malam. Genèse, il y a guerre, il y a Tanganyika, au Bozali Koyoka, au Zambie, il y a attaqué RDC. Il y a la présence des soldats zambiens sur la RDC. On ne peut pas, en aucun cas, admettre soldats rwandais, soldats zambiens, sur les sols congolais, à ça la guerre pena armée nabiso FRDC, et gagner Yango. En aucun cas, il faut que vous allez possible. Mais les lots, je vois des messages de part et d'autre. Président René, qu'est-ce que vous dites? Na Tanganyika, ça ne va pas. Bah Zambien, bah Zali Kozwa, Mabele Nabiso. Qu'on ne vous trompe pas. Zambien, c'est une armée, mon côté, au Koki Kozwa, Mboka Nabiso en otage, soit Koboto, la Mabele Nabiso. N'importe quel parti ou territoire, Mboka Nabiso, va indexer à mon Zambie. Nous avons une armée très forte. Mais tout a commencé avec un complot. Le complot, c'est entre Zoé et Kabila. Et son frère Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Zoé Kabila a zali kosa la continuité yaya naï. Problème ezali contrat Léoné Oyo Kabila signa gina ba chinois. Avant assis sa mandat naïe, pour biso to kota na pouvoir, ba chinois batuna kayi. Awa yo zo kindi. Est-ce que tu es sûr que quelqu'un qui va nous remplacer à continuer avec les contrats. Alobina Bango, oui. Ako Banabino, vous allez continuer. Quand les Chinois ont vu que ce n'est plus le dauphin de Kabila qui pouvait rester la place Naye, ils ont compris que c'est Fatih qui allait prendre le pouvoir. Sondage de Jedi Maki. Les Chinois ont adressé un message à Joseph Kabila Balobinaye. Lelo, Moutazos au pouvoir à haute opposition. Est-ce que Rosala capable de continuer dans le contrat Nabiso? Kabila Lobby, oui, à Koko Banabino, moi je suis avec lui, c'est un homme bon. Et après notre avènement, dans le pouvoir, Bachinois va y avoir Félix, président chef de l'État. Excellence, tout ça a besoin de continuer. Nayo. Les chefs de l'État Lobby, vous avez été avec nous, ça fait 18 ans. Rien n'a marché dans ces pays. Mais le contrat que vous avez avec l'ancien gouvernement ne peut pas continuer parce que Zali, quand on appelle contrat Léoné, c'est-à-dire c'est un contrat qui ne profite pas aux autochtones. C'est-à-dire un contrat qui ne profite pas à Imboka ou Zali, à Katiamboka Nabango, à Mabele Nabango. Et Zali contre Zali qui profite, à Bato, à Ikosala Misala, à puiser minéré Nabino, à Zimbongo Nabango, à Tamouli Bazongé Panabango. Et le pays ne gagne rien. C'est comme ça que le chef de l'État a dit, nous allons coopérer, il y a beaucoup de domaines qu'on peut coopérer, mais ces contrats-là, on va voir. Vatican a stand-by, le même moment, Amérique a s'est pointé. La grande puissance mondiale nous a rassuré son accompagnement. Comme le président chef de l'État a compris qu'il est déjà bien qu'avec les États-Unis, ça peut aller plus vite un mien et la sécurité aussi peut être assurée. Que la Chine, il acceptait d'être avec les Américains. C'est comme ça que les Américains ont dit, président Félix n'a rien à voir dans ces contrats. Contrat exacté avec Kabila. Kabila nous a dit qu'on va le soutenir jusqu'à la fin. Mais à la dernière minute, il nous a déçu à Mississippi Dauphin. Donc, selon les Chinois, il fallait Kabila tirer le pouvoir. Pourquoi on a eu parce que Bozakaka, oh, Zambien, guerre, Zakuna, Genèse, il y a un problème.
Maintenant, la Chine a dit à Kabila, c'est toi qui avais signé avec nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Et la Chine déclare une guerre contre Kabila. Balobinaye, on va voir. C'est pourquoi vous avez vu, dès notre avènement, il a proposé deux fois le voyage à Chine, Baboyeli. Deux fois, il a proposé le voyage. Kabila n'a jamais voyagé vers la Chine depuis Alouan à pouvoir. Mais il avait proposé deux fois à Kina Chine. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme il avait besoin d'arranger la Chine et que Chine s'est vu déjà rouler, la Chine coopère avec la RDC. Mais pas dans ces contrats qu'on avait des cinq chantiers ou autre chose qui continuait. Il y a Lukuta. Le chef de l'État actuel, président Tshisekedi, avait refusé de coopérer avec la Chine sur le même contrat plutôt, Oyo, le Kabila Zaki Naba. C'est comme ça qu'ils ont dit, Kabila, tu vas nous proposer ce qu'on peut faire. Et Kabila les a proposés. Nous allons mettre notre propre frère, mon propre frère, Natanganika, c'est Zoé Kabila. Ils ont tripoté na élection yaba gouverneur. C'est pour cela, vous avez vu, l'unique candidat na Bangokuna Ezaki Zoé Kabila. Tango Abimi, Bachino Basepeli Balobi, voilà. Vers Tanganyika, on peut sortir vers Zambie avec le minerai. Toi chemine yango, n'importe quelle destination autolintokin. Ils ont proposé deux fois le président zambien. Voilà pourquoi le président Zambie ayaki awa deux fois. Le président zambien a proposé à président Félix. Voilà ce qui se passe. Voilà comment on me propose. Il a dit, ça ne peut pas se faire. Alors, Chine a lobby, guerre tozosana, président Félix, guerre tozosana, nani Kabila. Quand nous allons attaquer Tanganyika, c'est Zoé qui sera mis en cause. Sauf que Zoé est mis en cause, Barota la Tatanaï. Sauf complicité, ils entrent directement Kabila, vous allez sacrifier. C'est la Chine qui a fait pression sur l'armée zambienne. C'est ça l'occupation que vous avez vue na niveau ya Zambie. Maintenant, quand le bakoti na katia Zambie, ba soldat ya Zambie, bakoti na katia RDC, il savait bien que la FRDC a codominé sur Bango. Mais comment faire pour ne pas tomber dans une infraction et attaque d'un pays contre un autre? Bah ça, on le souffre même milice. Il y a un moment où il y a un extrait comme minéré, à niveau de Tanganyika, il y a un cheminé vers Nani Zambie. Il y a un minéré. Il est également à niveau de Lualaba. Je vous dis, ce que je vous dis, c'est avec de preuves tangibles, il y a l'exploitation illégale à niveau de Tanganyika, l'exploitation illégale à niveau de Nani Lualaba, et il y a un cheminé de minéré par Zambie. Alors, dans cet cafouillage, on va redécouvrir le corps. Pour que le corps soit là, il faut la minute où tout le monde attaquer. Et comme si c'est une guerre. C'est comme si la milice va côté. Si vous voyez, il y a deux jours, il a lu. Trois jours, il a lu. Deux jours, il a lu. Donc, il y a un corps généralisé et officialisé. Il y a un minéré, il y a Congo, et Zobima, Nazelawana, et Zokende. Et bah chinois, bah on est basé à la base. Si vous ne le savez pas, c'est le moment. Maintenant, quand nous avons découvert qu'il y a ce type là de choses, parce que c'est craignant ce que nous avons dit, il y a quelque chose qui se passe. Nos services de sécurité ont travaillé. Les gens se demandent, président, ça va chinois, pourquoi bah il y a... Non, il y a quelque chose, vous ne savez pas. Il y a quelque chose, je pense que je vais préparer toute une émission sur le Kitwa Congo TV. Je vais révéler tous les secrets. Ba vérité, nous sommes abonnés à Lokito Congo TV. Bon, mon ami, comment je vais parler de cette histoire-là? Narobisala, ba vérité, nous sommes. Comment Chine veut en vouloir, veut plutôt achever avec Kabila? Mais comment le faire? Parce que c'est notre nation qui est directement attaquée. Président Félix, chef de l'État, a un plan qu'on ne va pas vous dire ici. Mais on a voulu le dire pour ma question et les Kébélés sous problème de Zambie, insécurité au Zakuna. J'ai épinglé, né à problème,
cause y a problème ba soda zambien ba ko wela na biso te ba belé na biso en aucun cas to wela kana bango te ba frontière wana ba zali pays la frontière bien sûr na biso mais jamais to wela kana belé na bango ezaka depuis Mobutu il y a eu deux fois où il y a eu des affrontements et banda wana ti le babanga biso parce que ba yebi keto zaka toujours plus fort que bango même na classement baza pemeng na biso te baza musika alors ba koko komate na niveau ya kosaka na biso mais ceux qui ba sali yango il y avait une main noire, la Chine, qui était derrière. Et ces Kabila-là, que vous voyez ici, Nande Konaye, Zoé Kabila, ils ont acheté des tenues au Bumuna Kitokanga qui n'a pas soumalé ça, en provenance toujours des amis. Basali Koluka par tous les moyens à habiller leur armée, Nengemokon armée Nabiso, pour que confusion côté l'armée, Tabatumaoba Kokota, qui n'y ait pas de distinction entre armée Nabiso et armée zambienne. Voilà ma tenue au Canada. C'est pourquoi quand je vous dis la justice plutôt doit faire son travail. Quand vous voyez ma procès avec Moussou Lokola, Moukouna et les autres, plus rapide, mais tout quand il tenu à Nanon et où t'as qui Kasumalis. Enquête à Moussou Samati Wapi, parce qu'on n'a pas encore puni les coupables. Banan de Bakotia qui va tenu à Nanon Congo, tant le pays Kotaki, et y'a qui n'a pas gêné, et y'a qui peine à Batonim, et y'a qui n'a violé, et y'a qui n'a moyen de soyo. Batenyo ané côté là qui na Congo, il faut qu'on arrête ces responsables là. Basambi Sabango réellement qui est celui qui a envoyé ou commandé Batenyo militaire wana. Maintenant ceux qui ba yebiyé, tokoyé ba jusqu'au plus haut niveau, nani azali ko commander bango, nani atinda kambongo, nani azali ko sala sima na bango et là on va terminer avec cette guerre là. Mais jusque là, tenir côté na Congo, bokani tenir militaire na frontière ya mboka. Ti lelo mutu moko te azo sambisa yango. Si mutu moko te akangami pona yango mais ba combattant ba mo bakangi ba nani jit ya teni plus de 18 jit et continue na Congo kota kimenini c'est ce qu'on dit ça c'est un problème quand on ne sait pas trouver la solution par les militaires sachez que c'est parmi les militaires où se cache le malfaiteur. Ça, c'est la parole d'un grand général. Général Mayele. Alors, si vous voyez l'armée qui n'arrive pas à terminer la guerre, sache que le malfaiteur, ceux qui font du mal à la population, ceux qui tuent le pays, ils se cachent là-bas, dans l'armée. Pourquoi l'armée n'a pas mis ce qu'il y a pourquoi ne pas arrêter ces gens-là? Et savoir tenir ou t'inquiète. Pourquoi les enquêtes traînent? Pourquoi vous ne pouvez pas mettre tout à la place publique pour que la population aille bah, qu'est-ce qui se passe dans le pays? Rien n'a été fait. Et vous allez demander pourquoi Félix Azosisagueria, Minembote, Azosisagueria, il y a des mains noires là-bas. Et le problème, c'est Kabila. Voilà pourquoi Moukouna a raison de s'attaquer à Kabila. Voilà pourquoi j'ai raison de m'attaquer à Kabila et sa famille politique. Mais ça, ça ne va pas encore traîner. C'est pour bientôt. Bon, il y a un peu aussi ça. Bon, il y a une guerre aussi là. Cette majorité que nous avons aujourd'hui va tomber bientôt. La Cour constitutionnelle a rendu barré naïe. Alors, il n'y a pas de reconnaître ni FCC, ni CASH, ni la MUCA comme des plateformes politiques. Comme étant plateforme électorale, après élection, problème n'a pas de mais lui, comme il ne coopère pas avec des plateformes électorales, il allait reconnaître Bangote, à mon lien Mokote entre Bango, d'où il fallait majorité dans un parti politique, comme le dit la Constitution. C'est le parti politique qui a gagné la majorité absolue qui va détenir la majorité parlementaire. Mais est-ce que le PPRD avait la majorité absolue? Non. IDPS, non. Donc aucun parti. Le chef de l'État devrait recourir par un informateur. Pourquoi cela qui a voté? Ils étaient là en train de faire trop de pression. Parce que beaucoup de gens, non. Président Tshisekedi dans un an, a agir avec beaucoup de lenteur. Oui, il fallait avec eux comme ça. Bon, il y a Basuki maintenant. Bon, il y a Basuki. Parce que quand vous disiez, dans la brutalité, on allait perdre. Et une fois qu'on est perdant,
Oh, bazo tino salano ki salano ki ona bakoye le soute batemi ou pense bakomi otale la yo. Oza ki déjà na pouvoir, ou lieu garde moninga, ou lieu oza malembe, ou lieu yo laxie, yo salibo yo. Erwana bakomi opesa batoli moko zangatina. Lelo, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a montré en face du monde que parfois, il faut se faire comme un fou pour gagner ce dont on a besoin. Tabat bazo talaye, ba moni nenga zali, balobi, non, il n'y a rien, il ne fera rien. Bat vient de le dire. Donc même Bat avait manqué confiance en chef de l'État, à lobby, même moi quand je vis à Salidul, Nabatouana, j'avais manqué confiance en lui. Mais le temps raison ici l'inga siège. Donc Bati, quand parce qu'il va plus sur ma siège, nous reconnaître que le chef de l'État est capable de tout faire. Le chef de l'État était capable depuis le début, c'est pas pour rien, on l'avait aligné par une de PS comme candidat président. Nous savions de quoi il est capable. Et quand il est parti là-bas, il n'était pas parti blaguer. Il faut des stratégies. Moutouazam Asimi Mundouk, Azam Akash Kolekayo, Kolukateo la Tsaye brutalité na yo. Tende nena maïl au kwe isaye. Une fois par terre, au robot tout le Mundouk, une fois par terre, au kobetaye, au sengo pardon. Lelo Kabilazo sengo pardon. Famille politique, FCC, au sengo pardon. Tout a commencé depuis les jours passés. Quand la cour s'est prononcée que Azor reconnaître FCCT, d'office, comme Azor reconnaître FCCT, qu'est-ce qui se passe? Tous les députés, au Bazaki, élus sous la label d'FCC, ils n'appartiennent pas à une majorité. Donc cette majorité n'est pas FCC. D'où la majorité doit se dessiner. Mais comment? Parce qu'on a déjà une majorité. Donc ce gouvernement tombe, la majorité tombe, on recommence à zéro, nomination d'un informateur. Comment? Est-ce possible? Oui, c'est possible. Parce que la majorité devrait provenir plutôt d'un parti politique qui avait gagné la majorité absolue au sein du Parlement. Personne n'avait gagné. Mais nous, on avait accepté parce que Bango va revendiquer qui va lobby. Non, tu as une plateforme politique, tu as une plateforme, tu as président Félix à lobby, bonsoir. Au début, tu as un premier ministre, bonsoir. Tu as un ministre de la Défense, bonsoir. Ministre de la Finance, bonsoir. Au PC Bango Finance, au PC Bango Défense. Maintenant, est-ce que ça va gagner Bissot? Ministre de la Finance à Ibi. Mais Kassoua Yaki Pemé, Nabiso comme coach, Bobengye, coachier, Moutayo Yibat. Chef de l'État dit, bonsoir. Mais c'est moi le prétendant chef de l'État. Donc c'est moi qui détiens l'exécution de tout mouvement, de tout compte. Binobozo Finance. Les lotants Mobazu Finance. Ils nous ont rien fait. Même ceux qui crient blocage. Blocage, ils ont un niveau en athée. Blocage, pour nous, c'est la volonté politique d'abord. Le ministre qui agisse avec lenteur dans ma ordonnance à chef de l'État, les ministres qui cherchent à recadrer le chef de l'État, et c'est un problème qui doit être puni selon la justice, ça n'engage pas un frein ou quelque chose comme vous le pensez. Mais à notre niveau, dans notre totale cour constitutionnelle, nous avons compris que la justice est zongi indépendante. Mais comme la justice est devenue indépendante, qu'est-ce que la justice dit? FCC, plateforme électorale, et Cécile Nangongala, il faut AFDCA. Yaba Ati, Azoaba député naye, d'où les députés vont tomber. Ba supplier na bangonde ba kozonga na place na bango. Tozongi soko totali, ba député abati baza combien? Soki tolongoli bango, to koti tout le parti politique ou ezali pembeni ya PPRD. Comme FCC tombe, ezali reconnu par l'État, chaque parti devient indépendant. Comme chaque parti est indépendant, PPRD n'a pas une majorité. Vraiment, Bopé Sangamatoï. Comme le PPRD devient indépendant et il n'a pas la majorité absolue, d'office directement, cette coalition tombe. Et quand la coalition tombe, quand la majorité tombe, le gouvernement aussi tombe. Et quand le gouvernement tombe, d'office, le chef de l'État reste le seul. D'où la nomination des nouveaux informateur. Alors Togosugawapi. Fini Kabili. Et lui-même Kabila, Namulongo, ces pays, soit Kimité, Tokangye Bisomo to Jia. Et vous avez crié. Chef de l'État, ça très lent. Azo cajolé. Azana lanterne. Non.
Il fallait le moment pareil. Président angolais a s'attaqué qui était la famille biologique, ni famille politique naïe, avant 2 ans. Il a attendu 1 an après Abandiko attaqué. Aujourd'hui, le chef de l'État dit année 2020, année de l'action. Vous-même, vous êtes en train de voir. Il y a des arrestations, il y a Batignon sur Baïbimongo à l'État. Quand il a dit année des actions, il connaissait déjà ce qui allait se passer. La justice fait maintenant son travail. Est-ce que vous entendez parler de l'ANR? Quand les acquis ont battu pour juger l'ANR? Non! Mboka, service de renseignement, ils allaient là. Mais, instance, à l'État, justice, il faut être salam salam. Aujourd'hui, la justice, ils allaient au salam salam. Sauf à quand ils ont invité au Kakapamba, au Bani Olenga, pour éviter ceux qui vont coûter un bébakouna au Tikali. Et dans ce sens-là, nous allons relever notre économie, nous allons relever notre pays. Et quand le gouvernement va tomber, c'est à profit de qui? Voilà pourquoi j'avais dit, Debalobana Limna la Kwanga Totike la Bateke, politique boutique la IDPS. Il y a des fois que vous émettez vos analyses biaisées parce que vous voulez enseigner tout le monde. Vous ne voulez pas aussi écouter. Pour vous, l'UDPS n'a jamais géré. L'UDPS n'a pas de. L'UDPS n'a pas de. Batignon Sobaza va licencier. Lumumba n'était pas licencié. Mobutu n'était pas licencié. Mais ils ont géré. Et Lumumba a mis le blanc à genoux. Il avait quel niveau d'études? Il avait quel niveau d'études? Kabila Mouzé qui est venu ici, il a imposé malgré avec la dictature. Moi, sinon, c'est Kotaki, Mbokezongi na Molongo, bien qu'il y avait les ennemis du peuple qui ne voulaient pas de lui. Il est parti. Mais son fils qui est venu, s'attachant à des licenciés, s'attachant à des docteurs, des éminents professeurs, ils nous ont laissé le pays où? S'il y a eu un gouvernement des intellectuels, c'est le gouvernement de Kabila. Tout le monde des professeurs, des éminents professeurs, des excellents, de meilleurs, Batoua Mayele. Oh, bah, présenter M. Lelo Batoua Mayele, Bangwana na Sénat, Batoua Mayele, Bangwana na Sénat. Mais ils ont fait quoi dans ces pays? Ils nous ont laissé quel pays? Ils nous ont laissé quelle économie? On produit quoi? On vend quoi? Je vais vous dire une chose. Le chef de l'État actuel, c'est quelqu'un qui connaît la politique. Il savait qu'on va finir avec ces gens comme ça. Mais s'il faut le brutaliser, on risque de tout perdre. Et tous ceux qui nous poussent, Bosalamouki, Bokangaye Malamoko, Bozo Zelanini, Bakozalatez, ils seront des spectateurs sans force. Et puis, Bokoye Bissabino, Bozagina pouvoir, Bosagana pouvoir. Moninga a commis ancien président, Biro Bokoye Kangaye Mang Mang. Non! C'est ma combo Kanga Kabilate. La justice doit fonctionner. Et le chef de l'État, je demande au président de la République de mettre un peu de rigueur dans toute vieille démocratie qui se respecte. La démocratie d'elle-même ne peut pas suffire. Il faut un peu de rigueur. Moi, chaleur, mon koboy, au moins, papa, 2021, 2022, la poto. Parce que façon toujours kangamiibi, mon elle était kofanda. Nabake c'est l'État. Façon que zo kanga miyibi, ben investisseur bakoya, sans que baba nga mongla ya commission. Façon que zo kanga miyibi, mbongo nyon sufu e futama. Naba nyongo, oyo batwa zanganango envers l'État. Et ko futa ba enseignant, et ko futa ba travailleur. Et la vie sera équilibrée. Et la production sera meilleure. Mais quand vous avez des gens, comme cette classe politique, des médiocres que vous voyez, Moussala Bango, Mbongo Kotina Kessia l'État Aïbi. Quelles leçons ils vont nous donner? C'est ce que j'ai dit. Naoyo Bozomo, Naoyo Jean-Jacques Mamba. Je ne sais pas s'il raisonne normalement avant de faire quelque chose. Quand tu vas pour initier une pétition, il faut être à mesure de récolter les signatures qu'il faut. Jean-Jacques Mamba a été proposé par le PPRD qui est bien sûr en coalition à Batouana, bien qu'ils aient coalition à Lukuta. Il sera quelque chose. Le PC va moyen, le ça va, il sera soutenu, il sera signé. Il sera signé petit.
pétition. Quand vous voyez sur la liste la pétition, Bakuyame c'est basa 3. Onyo sabatikali, PPRD, AAB, PPRD, AAC. Mais quels sont ces députés-là qui sont du PPRD et Bazo Nungula, vice-premier président, Obama va voter à qui? Parce que lui de paix au Parlement, il n'avait pas la majorité. La majorité, c'est KHFCC. Ce qui, premier président, il y a ensemble, Jean-Marc Kaboun, 500 végétales, que je salue en passant, Azalaki et Luc Plaswana. Ce sont les députés de FCC. Bon, on est pour voter qui est belé. Pour quel motif? Coalition. Mais si nous sommes en coalition, s'il a été élu parce que nous sommes en coalition, s'il faut l'enlever, il faut passer aussi par la coalition. Mais vous vous cachez derrière une motion. Vous vous cachez derrière une pétition. Et nous avons initié une pétition, non? Bazan a laissé en repère sa bichoté. Même Babimia en Azela lobby, j'ai accepté l'inacceptable. Na 2006, il y a tous ceux qui na course na bangote. Peuple congolais qui capable de rejoindre l'islambe ba pouvoir. A lobby to robima na zela to peso pouvoir na yo. Mais même ba a lobby j'ai accepté l'inacceptable. Ba Jacques Mamana, yé kuta zai koyoka na solo. Azaki wapi? To yoba ki ba François Mwamba, ba to bazaki ko gérer parti ba to malo kana banane. Yé azaki wapi? Azaki wapi MLC? Laissons il mambo pe sebiso. MLC na mboka oyo. Ba ba tutu ba tuna maboka. Batouti bana ma bokaboyi abomi batou. Laissons-nous à couper ces IDPS. Quelqu'un qui a dénoncé une preuve. Vous voulez quelle preuve? Vous avez une preuve. 4 millions de dollars. Pour la rebondir sa place, il y a 100 personnes dans le Sénat. Preuve, il y a moi dans le Sénat d'abord. 4 millions de dollars. Est-ce que ta maman s'est déjà expliqué? N'est-ce qu'il a dispatché mon moment là? N'est-ce qu'il a utilisé Yamou? 4 millions de dollars pour la rebondir sa place, 100 personnes. Église, il y a 1000 personnes dans Mbokoy. Église, il y a 15 000 personnes dans Mbokoy. Est-ce que j'ai 4 millions de dollars pour battre Yamou? Mais place, on est en il y a le Sénat, place, il y a 109 personnes. Pour battre Yamou, il faut 4 millions de dollars. Vous voulez qu'elle prévue dans l'Assemblée? Parce que le Parlement, ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale, c'est aussi le Sénat. Et quand on dit on dépense 6 millions de dollars dans une journée, vous doutez. Pourtant, député Moko, il y a le coup de ceux qui vont là, à l'équipe dans la télévision, ôté, jour où on a mis ce télé qui est toujours à 1000 dollars. 1000 dollars, ils ont mouqué. Aucun congrès à jour, Moko va payer 1000 dollars. Enseignant, à tant que 6 journées, Mobimba, à sali un mois, il y a 100 000. Soda, il y a eu Kobu, Kanakuna, il y a 4 Makolo. Mais ça, c'est eux, voyez, l'issue est Kofi. Le boko est Katani. Azongi na ba pota bo komo bengaye blessé de guerre. Ba foute 80 dollars. Yo na jour moko ya congrès yo zui 100 000 dollars. Changer 1000 dollars na moko na to ya dollar ya franc congolais. Ça vous donne combien? Ça vous donne combien? Dans une journée avec courage hein Christelle Vanga, ou l'équipe na courage na télévision lobi, ote na ba foute 1000 dollars pour na jour moko wana. Quand vous prenez 1000 dollars fois 500 députés, 109 sénateurs, aux yeux personnels, tu y as bureau, voilà. Bon, foutez, t'en sénat, bah, chaîne, bien, soyez à quoi couvrir. Bah, invitez, bon, invitez, là. Bloc, bon, son, bah, cagolia. Bon, comment on a combien de dollars? Et ça, mon kékak, pour une journée. Bah, t'y a beaucoup, bon, ben, ça, qu'à congrès. C'est comme ça, Jean-Marc Kaboun était en désaccord avec vous. Et quand il a refusé, il s'est fait des ennemis parce qu'il a dénoncé. Alors, peut perdre. Sous le billet, il y a Jean-Jacques Mamba. Basali motion à Bango, basali pétition. Avant pétition, Jean-Marc Kaboun, elle est exécutée. Mais pétition, elle s'est déposée contre Tamou Mamba. Elle est exécutée. Tout le monde plainte à Kabila contre Mukuna. Contre Mukuna, contre Kabila. Et ils ont un succès. Il y a Tchibo les yeux succès. Nous devons revoir les choses. Justice, Zala, Nanzela, Oyoso Bandi, Komekate, Kotutubi. On ne va pas te laisser aller. On ne va pas te laisser faire. J'ai vu Mayamoto, ma gaz lacrymogène, n'en voit pas les du peuple. Pour nous rebondir dans le peuple congolais. Si vous pensez qu'un député il est libre d'initier une pétition, bon, vous n'êtes pas aussi d'accord qu'un Congolais a droit de revendiquer ou d'empêcher qui que ce soit ou à Zali na projet Yamabe contre Mouninga Naye dans ce pays. C'est aussi la liberté. La liberté d'expression, c'est quand vous êtes à l'intérieur. En train de voter des lois,
population moni ke jamabe abimi pe libando na azobe ta maboko azo revendiquer. Est-ce que ça vous donne le droit ya kobenga na batwana kobuka bango kobaka gaz lacrymogène général Kasongo ke baba zo tindo na mabe oya kokoma lokola kanyama ba congolais bazo betelo maboko balobi salamu sala ke ba oya kokoma lokola kanyama parce que so bandi bras de fer na IDPS papa c'est le moment faut revoir les choses. L'UDPS n'a pas revendiqué en vain. Nous avons vu que nous sommes en coalition avec FCC et bateau bazo signé belé baza bato un peu perdu. Nous voyons comme si il y a une manœuvre derrière. Retire-toi de ça. Soba lobi bwa kamoto salaboy salaboy yebi sa bango normal donné. C'est moi le général. Vous allez commandant ya vilo mubimba. Boya. Tika bato mo manifester baza ma liberté na bango. Baza liberté na bango. Bato ba bimpo na ko revendiquer mukuna. Bomisi mena COVID-19. Mais bah oh bah kenda ki kuna parler de la justice bah maman est belé bah comme na mikana na bango mukuna faut passer mukuna faut passer bah ou t'as quoi d'abord Gombeza confiné bah bah kota Gombe par quel moyen bah kota qui donne tina parler de la justice bah maman ana bah maman moko bilongi moko etenga bah musu bah bukala makolo banin banin ote bah maman violé bah ou t'as quoi boké ko recruter bango bo recruter bango esimité boké ko recruter na famille à Lukuta ya Kabila ok no porter mukuna plainte famille à Lukuta. Bon, il y a compris, donc, il y a eu des familles qui ont famille. Au début, sa famille qui a été fondée dans Mukuna, alors il y a eu son mouton pour Makina. Bala, il y a eu son mouton pour Makina. Pourquoi il dit qu'il y a 18 ans en prison à Sambarate? Bala, il y a eu son mouton. Bala, il y a eu son mouton. Nana Koko Zala, papa Naya Koufi, Yabini, président de la République, mandat est si, mouton a tout n'a mon côté, nani réellement pour Makina Tanangai. Ce qui est réellement, Azaki fils biologique naï. Après 18 ans, Kosambi Sata Kosambi Sapamba Keno, Batumabumaki Papa Nangai, c'est le moment. C'est le moment. Naye banana Bumaki. Au sali 18 années, Sili. Au sambi si batouanate. Lelo, Ozoloba. Non. Problème à Oweza, problème à Aden. Aden. Il faut basta la tête ouana. Problème tous en ango, ils ont moko aden. Bosali ango, match est signé. Ce qui est salimité, Boutique abiso kimia FCC. Boibi kode fatro. Mais je vais vous dire ceci, parce que lobby, na bosali émission ana, na lokito Congo TV, bolanda, bokozwanga ekuna, bo linga chaîne wana mingi, bo s'abonner pe bele. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous parler comment nous allons exterminer Batunyon so Bazali contre la République, Bato Bazali. Ça la guerre dans l'est de la République pour la cobaye sa réputation. Il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la lélo na Sukiawa. Merci beaucoup. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Gouverneur Jacques Kiabula s'érige en barrière contre le COVID-19 dans le Haut-Katanga. Sensibilisation des terrains sur le respect des gestes barrières et prise en charge des malades. Retour sur les péripéties du confinement strict réussi des Lubumbashi et Kasumba Lessa. Jacques Kiabula Katwe, les défis de la réussite. Wandani, l'homme et ses œuvres. Reconstruction et décollage économique. Sécurité. Mobilisation de recettes. Eshima Magazine revient sur les succès notables du chef de l'exécutif du Haut-Katanga. Découverte, Moussa Mondo, valeur sûre de la politique congolaise. Focus, Nene Ilunga, en première ligne pour la défense des droits des travailleurs pendant les confinements. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, pêche et élevage, Jonathan Bialosuka, sortir la RDC de la sous-alimentation. Économie, impact du Covid-19 sur l'économie congolaise. Afrique, que restait-il de la France-Afrique? Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.